Tout le monde vient sur la chaîne QC Bro Gamers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un pack opening du nouveau set de Keyforge. J'ai juste glissé dans l'opening un petit livre. Bristol 1350, vous allez voir. C'est vraiment cool, c'est un petit livre bien spécial. En tout cas, moi j'adore ça. Fait qu'on perd pas de temps tout de suite. C'est sur ma chaîne Twitch en direct tout le temps. Techniquement, ça devrait être une semaine exclusif. D'avance, mais là je pense que celle-là je vais le sortir tout de suite après mon live ou le lendemain pour les bonnes raisons que ce set-là vient de sortir. Fait que je vais aller chercher du monde plus qui veulent voir le set le plus vite possible. C'est un maudit beau livre, hein? Fait que on part tout de suite, on va ouvrir ce livre-là. Vous êtes prêts? Je le trouve séduisant, ce livre-là. Hein? Parce que. Regardez ça. On va leur montrer sans le truc reluisant par-dessus. Hein? Regardez ça. Vous voulez voir l'intérieur du livre? Oh ben tabarnak. Il n'y a même pas de page. C'est un jeu. C'est un jeu, et oui, est-ce que vous croyez que c'est un vrai livre ou pas? On va regarder les petites images qu'il donne avec, je sais pas trop, c'est quoi, c'est-tu des... C'est juste des... Pourquoi il y a ça? On voit rien. Ben, il y a aucun moyen de le voir, c'est trop blanc. Hein? Comment si je fais ça? Ah, c'est parfait ça, vous voyez bien. La décevante. Ben, c'est bien mieux, c'est un jeu, c'est un board game. Tu vas t'installer tout seul à l'aller, puis de l'aller potentiellement une fois, tu vas pouvoir t'installer à jouer avec du monde. C'est cool. Il y a un livre, là, gars. Il est un petit peu moins gros que l'autre. On va checker les éléments parce que c'est un truc de luxe dans le fond. Fait que normalement je finis par les cartes, mais là le reste ça a l'air vraiment plus cool. Oh yes, on a rien à ouvrir. Pas sûr. Les images sont vraiment cool, très bien. Disney, ouais, c'est vraiment cool. Je connaissais pas le jeu, c'est juste quand je vois à la boutique où j'achète ça, tout le monde. J'y vais une fois semaine, tenez la page Facebook si ça vous intéresse. Je fais de la publicité gratos. Parce que j'adore le propriétaire puis j'adore la place. Pas sûr que ça ferme jamais. Puis c'est ça, puis là il m'a montré ça. Puis là j'ai fait oh, Chris! Oui! Puis les choses de Keyforge, j'avais déjà payé d'avance. Je m'en rappelais plus. Fait que ma petite dépense de la semaine, c'était ça. Les cartes, à mon avis, sont capables. On va juste zoomer un peu. Pour moi, ça va être moins chiant, juste à ma côté. C'est ça ici. C'est là. Je vais descendre la mousseté. Petite coche et voilà. Est-ce que tu t'entends vraiment bien avec le proprio? Ben oui. Mais pas dans un sens. Mais oui. Depuis que c'est ouvert, pratiquement, j'y vais. Je suis dans les premiers... Sur le bord, c'est juste un... Comme ça. Ben non. Ok, c'est des trucs, j'imagine, les cartes donnent des habiletés. Ça, c'est toute la même. Comme passer vite, là, c'est toutes les mêmes affaires, quasiment, là. Pour quelques petites différences. Edish, ça donne un mal de tête à quelqu'un. Oh, tu lui donnes le corona. Oh my god. Après ça. Chill. Tu lui donnes. Il va avoir fret. Obus. C'est quoi ça? C'est la grève espagnole? Non, je sais pas. Plus vert, on dirait des plugs.
Puis, je pense que c'est pas mal ça, les trucs verts. Regarde, il est dans mais loin. Ah! Ils sont là, les images chez eux. J'ai joué ça? J'ai pas assez vide, je sais pas. Bon, pour moi, on va aller voir les éléments plus beaux, je crois. On va faire les dés, hein. Puis les petits pions, je vais pas y sortir des sacs. Là, vous voyez bien, juste des petits pions pour nous promener sa map. Les dés sont nice, mais rien de particulier. Il y a les petits. Oh my god, c'est lourd pareil ça. Ah, c'est lourd. Pour un petit truc, c'est en métal cette affaire là. Ça, c'est de luxe. Normalement, juste pour vous dire, c'est pas connaisseur de board game. Normalement, c'est soit en plastique ou. Juste on dirait un genre. C'est vraiment lourd pour un petit truc comme ça. Genre de métal. Ben, pas un genre de métal, c'est du... ça doit être du métal. C'est la Damantium. Oui, oui. Ce jeu est tellement de luxe. C'est du vibranium, damantium, tout ce que vous voulez, tous les métaux rares. C'est la même chose, mais j'imagine pour différents joueurs. Non, on n'entend pas. La caméra pas. Ils ont vraiment séparé dans. Ils ont mis trois sacs. Pour chaque truc, pour pas genre qu'ils se cognent ensemble. Je sais pas. C'est. Toute une belle petite touche. Je vais regarder ça. Waouh. Oh my god. On en remet l'autre. On en remet l'autre. Tout le monde, vous êtes prêts? Oh waouh. Oh, sac. Oh, attention, attention. Oh. 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 Oui, merci l'environnement. Ouais, mais. Je le jette pas le sac. Ce qui pollue l'environnement, c'est ce que tu jettes pour rien. Non? On a un petit truc pour mettre les. Un sac pour mettre les trucs, ça c'est pas bien, bien grand. La petite map. Et on va jouer. Dessus. C'est minuscule, c'est un petit jeu de camping. Let's go. On va au camping. Normalement, dans des jeux, t'as pas des petits tapis de mince en carton ou en. Chose de plus cheap là. Ou t'as des versions de luxe que t'achètes à part là. Des petits tapis à part. Ça c'est vraiment cool. Le truc qui a l'air le plus nice. C'est ça. C'est ça. De la vraie argent. De la vraie money. C'est tout le. Ce n'est pas en plastique, c'est encore une fois en vibranium. Wow. Amazing. C'est pour ça que le jeu coûte 300$. Bon, on va juste ranger comme ça. Pas 300$. Ah là, je l'ai mal mis. C'est pas vrai. Ben non, j'aurais jamais payé 300$ pour un sim. Il est cool, là, mais 300$ pour un jeu. Puis là, il y avait une petite affaire vu que c'était comme un exclusif Kickstarter. Puis tout. Quand tu l'achètes, il donne à part ça. J'imagine selon le nombre de que commandé, ben il reçoit le nombre de paquets. Fait ça vient avec un avec chaque où il y a une quantité. C'est comme des personnages supplémentaires, si je me trompe pas. Ce qui était à peu près. Non, c'était 50$, mais c'était à peu près un prix des board games. Puis ça, c'est une version comme de luxe. Fait que c'est pas super. C'est comme des personnages de plus, si j'ai bien compris. Ils font des trucs, mais je connais pas le jeu. J'ai juste trouvé ça nice, le concept. Il y a l'air d'en avoir une foil. Wow. Wow. Wow, jackpot! Est-ce qu'elle vaut 6000?
Je comprends pas. Death was our instant companion. Cool. La mort était notre compagnon. Instantanément. Non, je sais pas. Genre. Bon, ben, là, on s'en va vers le main trick. Fait que, let's go. Je vous explique vite fait. On va l'ouvrir, puis en même temps, je vais vous expliquer c'est quoi. Ça, dans le fond, c'est deux decks. Two players start a set. Vous allez voir, il y a deux decks, probablement comme ça. Plus des pions pour jouer au jeu et tout. Mais moi, à chaque nouveau set, j'en achète des affaires. On rouvre le premier deck. Faut juste pas que je montre le code. Parce que... il y a comme un genre de code carte qui fait que c'est moi qui possède le deck. Ici, on peut s'ouvrir facilement. Oui, waouh, c'est. Ils l'ont remis. Ben, peut-être pas de bord. Y'a-tu là? Y'a-tu un truc? Je vais l'avoir, je l'ai. Parce qu'ils changent à chaque set, ils changent la façon d'ouvrir ça là. Ils veulent que ça soit le fun. Yeah, non, pas vraiment. Bon. Ça. Fait que dans le fond, on peut scanner ça pour avoir des points. Puis ça, c'est dans le fond ce que le deck contient. Puis un code où ce que mon pouce. Un QR code. Fait que si le monde le scanne, ben c'est ça. Je vais vous expliquer. C'est un deck building game. Fait que ça, c'est un deck. Il y a des cartes. Il y a un nom. Dans le dos de chaque carte de tout le deck, il y a un nom. Puis ça, ce nom-là, Podingo of Trobush. Il y a aucun autre deck dans le monde de ce jeu-là là, que ce nom-là. C'est le seul deck qui a ça. C'est le seul deck qui a ce background-là et comme ça. Mais ça se peut que un autre deck, ça soit pareil, mais que les ailes soient pas pareilles. Ou que les ailes soient pareilles, puis ça soit pas pareil, puis la couleur soit différente. C'est un deck building game. Pas un deck building, un deck collectible game. Unique game, un unique deck. Il n'y a aucun deck qui est pareil qu'un autre. Je m'en ai dit, elle est en avant la carte, mais c'est parce que. C'est comme une carte spéciale du nouveau, je sais pas trop ce que ça fait, mais ok, ça va être selon les cartes, c'est nouveau de ce set-là. Ok. Fait qu'on va encore zoomer juste un petit coche. Ça, c'est les houses. Il y a trois houses dans chaque deck. Vous allez laver à l'arrière. Ça, c'est les maisons dans le deck qu'il y a. Puis t'en as plusieurs. On peut les voir ici. Ici, c'est toutes les houses qui existent dans ce set-là. C'est qui a enlevé? Je sais pas qui. As-tu un exemplaire supplémentaire pour montrer la différence? Ben, on va ouvrir les deux autres decks par après, puis je vous montrerai la différence. Mais, les chances que je pogne, mettons, les trois mêmes houses pour montrer... Mais tu veux dire, toi, le background, dans le fond? Ça veut pas dire qu'il va avoir la même couleur puis ça va être la même chose. Ok. Premier house, on commence par Untamed. Le petit logo ici, ça s'appelle Untamed, la maison. Là, je connais pas les cartes encore. Comme je vous dis, le set vient de sortir. Et depuis la pandémie, je check pas trop vu que je joue pas. Mais dans le passé, cette maison-là, je l'adorais. House là. Fait que là, on arrive dans Sanctum. C'est le petit œil en haut là, c'est ça le logo là, c'est Sanctum. Ça c'est nouveau. Ça c'est dur à dire aussi, ça fait un an que j'ai pas joué, fait que c'est dur à dire si, mettons, le deck est bon ou pas bon. Là on est rendu, ça c'est Logos. Logos. L-O-G-O-S. Si vous voyez ici, vous avez le nom du deck. Fait que tu peux pas prendre une carte de la même house puis la mettre dans un autre deck. Tu pourrais, mais si mettons ton adversaire le voit puis il dit ben là, c'est parce que. Excuse-moi, mais ça va pas dans ce deck-là. Je sais pas si j'ai pogné. Quelque chose de fou dans ce deck-là.
Il y a quelques rares, les étoiles, c'est des rares. Si je me rappelle bien. Ils ont changé la carte là. Ok. Ok. Puis, s'il y en a, j'ai vu le count view descendre là, de partir de 12 à 7. Là. Si vous dites, ben là, c'est pas du Magic, il y a du Pokémon. Selon moi, ça, c'est deux fois meilleur que Magic en termes de jeu et 40 fois meilleur que Pokémon. Oui, Pokémon, t'auras plus de valeur, mais moi, j'achète des affaires que je vais jouer. Tu sais, des fois, j'achète du Pokémon, mais. J'achète des affaires pour jouer, pas juste pour les collectionner. Je joue avant tout, puis deuxièmement, je collectionne. Les jeux de cartes. Fait que là, on rouvre le petit truc. Belle boîte, hein. Là, si on les enlèvera pas, c'est les trucs. Dans le fond, le but du jeu, c'est de forger des clés en créant des embers comme ça. De certaines façons, de certains trucs. Il y a des cartes qui en donnent, il y a des créatures qui en donnent, puis des trucs comme ça. Là, il faut que tu aies 6 ça dans ton pool à toi. Puis, s'il y a 6 ça dans ton pool, ça va à ton adversaire. Puis, ça revient à toi, puis tu as encore 6 Ember, qu'on appelle. Tu peux forger une clé. Là, tu es mal à l'envers, dans le fond. On les voit pas, il y a un truc. Tu es le mal à l'envers, le côté non coloré. Donc là, tu le reviens. Puis le premier à 3 clés gagne. C'est pas. Le but, c'est pas de mettre ton adversaire à 0 dans le fond. Il donne des tapis de jeu là, en carton. Oh, plus intéressant ça, les tapis de jeu. Là. C'est juste des cartons. C'est les decks qu'on veut aller voir nous. C'est quand je vais chez BMR. On a les deux autres decks ici. Ça, c'est la boîte. Il n'y a rien d'autre ailleurs. On peut juste l'utiliser ici, mettons, pour le lever et séparer, puis faire du rangement avec. Bon. Fait que là, tu vas pouvoir voir un peu la comparaison. Ça. Les gars viennent. Fait que c'est très bon si vous voulez commencer à jouer à ce jeu-là, d'acheter la boîte que je viens de. Ouvrez, ça vous donne tous les éléments pour pouvoir jouer. Il y a les règles un peu. Qu'est-ce qui est arrivé chez BMR? C'est con, tu sais, depuis tantôt, ça bouge pas. Ça fait 20 minutes qu'on fait ça. Là, le cellulaire décide qu'il sac le quai. Yes! J'ai fait mes clés. Mais pourquoi c'est con? Ok, tu veux dire tu fais tes clés chez BMR? Par rapport à Keyforge. Fait que faudrait qu'à chaque fois que tu joues à ça, faudrait que tu ailles faire des clés au BMR. Ça serait un peu dommage. Ça serait cher. Ça te coûterait le deck, puis ça te coûterait 3 clés à chaque fois pour gagner. Regarde. Oh, il est bien nice le bag de ça. Check par exemple. Là. Il est fou, lui. Regarde, ça, c'est le dos de ce deck-là, puis check lui. Check, il n'y a pas les mêmes 3 houses. Il y a Shadow, Untamed et. Je me rappelle plus de ça. Je vais te le dire. T'es sûr de jamais perdre, à moins que tu t'envoies des tournois et qu'il y a un gros prize pool, mais sinon tu fais juste gagner des petits éléments, pas trop. Ah là, ça fait chier quand ça fait ça. Check l'autre là, je peux l'ouvrir là. Pourquoi lui je peux pas? Pourquoi lui il est en. Fais-moi. Je te fais chier à être ouvert. C'est stupide. Mais sérieux là, c'est écœurant. L'autre il y avait un petit truc pour l'ouvrir de ce côté là. Lui il l'avait pas fait.
Chat qu'on va enlever. Ça, c'est Soriane. Soriane, non, les noms sont là. Le dos est vraiment cool, c'est un des plus cool que j'ai jamais eu. Dentary, console, original. Ah, oh, c'est un Evil Twin, à ce qu'il paraît, c'est rare. Je crois, c'est un deck rare. J'ai vu du monde qui était là, ah oh, yes, un Evil Twin. Je sais pas, mais il est cool, il est vraiment différent. Ouais, c'est un deck spécial. Je suis pas eu un deck spécial, c'est sûr, regarde. C'est vraiment, mais vraiment différent, normalement, là. Normalement, c'est... Juste l'intérieur ici, il change. Là, là, regardez, il y a un contour différent. Vous voyez bien? C'est cool. C'est vraiment nice. On commence. Je sais pas ce qu'il y a de spécial dans les decks. Par contre, on va voir. On va essayer de voir. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il y a de plus spécial que les autres. Si on a la même carte, vu que c'est nouveau 7. Fait qu'on a un deck spécial, c'est ça qui est nice. On va pouvoir mettre dans le titre Evil Twin. C'est choix un artefact. Un petit chat. Un chat démon à quatre yeux. Yes. Ooh. Un rot. Each creature enters play enrage. Ok. Oh, c'est ça veut dire. Non, ça c'est la tide. Je sais pas. You may fight with one of your youngest bear knight. Oh, oh. Il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a combien? Une, deux, trois. Trois, ok. Reap, you may fight with one of your youngest bear knight. Knight bear. Youngest bear knight born. Knight born, est-ce que je. Bon, un autre truc. Oh. Il vaut. Ah, oh, c'est on les voit là. Evil Twin. Les artworks sont magnifiques. Ouais, c'est vraiment cool. Surtout eux, là, ça c'est de nouveau. C'est nouveau que ça soit noir ici. Je sais pas si c'est par rapport en lien avec le Evil Twin, peut-être. Mais probablement, Evil Twin, ça veut dire que c'est des combos. Genre, ces deux cartes-là vont peut-être être bonnes ensemble. Je sais pas. Comme je dis, j'ai vraiment rien checké du nouveau set. Avant, je checkais chaque affaire. Là, je savais le thème. Je savais un peu qu'il y avait du. The Tide, Low Tide et High Tide, mais je savais pas, je sais pas les cartes. Illusive. After you play another creature, if the tide is high, you open and lose one. Ok. Ok, on va dans Shadow. Ça c'est une house que j'aime beaucoup. Toun toun toun. Mais c'est ça, je dis, j'adore l'artwork. Oh, un autre Evil Twin. Ok, je sais pas trop. C'est quoi, il y a peut-être beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de cartes comme ça, Evil Twin. Je sais pas. C'est dans le deck. Dans quel? Ceux-là, les genres de logo de main? L'économiste. Ok, lui? Ah ben ouais. Hein, en plus, c'est le deck spécial, pis t'es dedans. C'est un signe, esti. En plus, t'es pas là une fois, t'es là. Deux fois. Attends, Zahel, c'est quoi qu'elle fait? La maman dit que je suis spécial aussi. Maman dit que je suis spécial. Illusive Skirmish, c'est assez bon. If the tide is high, your opponent lose two. Fight, ok, à chaque fois qu'il fight. Fait que c'est ça, il va y avoir une mécanique hein, qu'il faut jouer avec cette affaire-là. Fait qu'il va y avoir des cartes pour moi. Mid the tide, low tide. Mettez de high tide. La marée haute ou marée basse, dans le fond. Puis, fait que là, les cartes, c'est vraiment c'est une nouvelle mécanique. À chaque nouveau set, il apporte une nouvelle mécanique. C'est ça qui est nice. Peut-être avant moi, il va en avoir encore des. Il va avoir ça dans l'autre. Dans cette house là peut-être. À date, il y en a eu au moins dans chaque. C'est cool.
Trois fois, qu'est-ce qu'elle fait de bon? If the tide is high, a friendly creature capture 3. Otherwise, raise the tide. Ok. Ok, gars, tu vois, il y en a une que ça fait changer. Yeah. Ok. Ok. J'espère que c'est bon. 4 fois dans un deck, mais ça donne quand même. C'est ça, gars, vous voyez, les Ember. Là. Mettons, je joue cette carte-là, je peux gagner l'Ember, puis je fais l'effet. Ça me donne un Ember, par exemple. Puis, dans ce jeu-là, il n'y a aucune limite de. Je sais pas si tu joues à d'autres cartes, mais souvent, tu as une limite de. Mettons, tu es limité par de la mana, d'énergie, des trucs. Ça, tu es limité juste par ton choix de house au début de tour. Fait que tu dis, moi, je vais jouer. Non. Saurienne. Tu peux juste jouer des cartes sauriennes que tu as en main. Mais tu peux toutes les jouer si tu peux les jouer. Fait que t'es pas limité avec aucune énergie. Capture 2, action. Eux sont vraiment cool. En passant, le design est assez génial. Le plus nice, c'est 10, mais je pense qu'il l'a pas. Non, c'est ça qui a enlevé, non. Ils ont enlevé 10. Les designs de 10, c'était plus dark, mettons. C'est ça qui était cool. Oh, il y a 12, elle. Mais ça veut pas dire qu'elle fait juste 4 quand elle décide de fight, mettons. Ok, ben non. Ah oui, il y a là. Je m'en ai dit, ok, il y en a pas, mais il y a. Play deal fight night to a creature with Ember on it. Ça a l'air trop gentil. Alerte, alerte. C'est pour un message subtil. Protégez-vous. À date, ben là, c'est sûr que c'est lui le plus cool des decks là, je dirais. C'est un Evil Twin, je sais pas. Peut-être qu'il vaut cher. Quelqu'un veut l'acheter, je le vends 250. Dernier deck, tout le monde. Fait que si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas d'aller visiter ma page Twitch qui est écrit juste là. Si vous êtes sur Twitch, YouTube, Slack, puis ben, le nouveau set est sorti, fait que probablement je vais faire un. Oh, t'as 250, t'es prêt, parfait. Ben, probablement je vais faire. Commencer à faire des openings. Fait que tu vois là, on dirait que c'est le même que l'autre, right? Il est plus dans les mêmes couleurs là. Oui, là tu vois, c'est pas le même nom, puis regarde. Lui c'est ça le nom. Lui c'est ça. Wilty. Wirtroyen. Fait que. Dans le même deck, on n'a pas un autre Evil Twin. Ça marche. Dommage. Fait que là, on enlève ça. Schlack, encore ça. Dans le moment, ça, t'en as juste besoin d'une estimate, mais anyway. Schlack. Return a creature from your Discord pile to your hand. Schlack. Est-ce que t'as Mizu, sinon tu joues à un jeu, hein? Tu joues-tu à un jeu de cartes? Oui, pis peut-être that is. Hello, you're opening game one. Il faut qu'il soit high. Déjà Magic. Ça, c'est le même créateur que Magic en passant. Richard Garfield. Blossom Dragon. Ok, mais come on. J'ai des nouvelles cartes. C'était toutes les cartes qui étaient dans les sets passés. If your opponent has 6 Ember or more, still 2. Oh. If your opponent has 6 Ember or more, still 2. Sinon, tu tiltes pas. D'accord. C'est only if the tide is high. Ok. Ça donne quand même 3 Ember. Mais t'as une petite condition ici. Ça me joue à Magic. Mais. J'aime beaucoup mieux ça. Mais c'est dur partir des communautés. Je sais pas si tu joues à Magic juste Arena ou si tu joues tu jouais à une boutique. Mais
peux jouer à une boutique. Il y a rien de... Ah! Il y a un... Special ici. C'est dans quoi? Sanctum. C'est lui. Le logo là, ça veut dire que c'est un special, fait que c'est comme très peu commun, on peut dire. While the tide is low, Arfion lands, choose get 3 armor and gain reap capture. Well, it's not. I mean, Arfion lands, chosen. Ah, ok, chosen, get 3 armor. Fait qu'il y a 3 d'armor, fait qu'il vient, qu'il résiste 3 damage, puis il y a 3 de vie et 3 d'attaque, c'est ça que c'est là. Puis il reap capture 2, qui est assez bon. Tu ralentis. En capturant, c'est que tu le mets sur lui. C'est les 2 embers, tu les mets sur lui. Puis tant que lui ne meurt pas, lui ne peut pas forger sa prochaine clé. Mettons, il y en a 6, tu en capture 2. C'est meilleur à steal par contre, mais reap, ça peut être bon pareil. Puis là, il est à 4. Fait qu'il peut pas forger, mettons, au prochain tour à cause de ça. Ok, c'est comme... Ok, c'est le même, mais... C'est comme des brothers ou des ennemis. Si, chosen land. Lui, c'est la terre, puis lui, c'est la mer. Fait que j'imagine... High et low, hein, c'est ça. Fait que la même chose. Fight, gain, two... Non, ok, lui... Quand le est high... Ok, ouais, ça aurait été quand même fort, sinon ça aurait été la même chose. Low, les deux, ou high, les deux. Ça aurait fait des effets assez forts. Bon, ben, je t'achète qu'on tente de... De surtout du Evil Twin, comme on peut voir. On check Evil Twin, hein? Vous voyez qu'il est quand même assez différent. Oh, le ring, clairement. Fait que c'est ça qui va avoir été l'opening aujourd'hui. Je vous invite à aller follow ma chaîne YouTube. Ça fait plusieurs fois que je le partage, mais bon, fallait le faire. Le monde sur YouTube, vous allez juste follow ma chaîne Twitch. La même chose que cette chaîne-là, mais. LORD devant, Lord. Je stream assez souvent, 2-3 jours semaine. Fait que je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de follow ma chaîne Twitch. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se voit en live demain. Ciao. Peace.